Bonjour, mes chers amis. Bienvenue sur votre chaîne Jucomix TV et bienvenue au Brésil. Oui, je parle portugais du Brésil dès le premier pas. Alors, dans cette vidéo, on fait ce qu'on appelle la présentation. Se présenter. Mais on pose la question, mais comment? Mais comment se présenter devant les Brésiliens et les Brésiliennes? Mais comment? Quelle est donc la façon la plus pratique? Voilà, je cherche ici la façon la plus pratique de se présenter facilement et aisément. Voici donc la solution. D'abord, il faut dire votre prénom. Nommé. Nommé. Votre âge. Itachi. Itachi. Et votre nationalité et ville. Origi et cetati. Le nom veut dire nomi. Votre âge et tati. Votre nationalité origine, origi. Et votre ville, cetati. Voici donc la présentation comme exemple. Je m'appelle Youssef, j'ai 45 ans, je suis marocain, j'habite à Casablanca. Mais comment on dit ça en portugais du Brésil? Ou en portugais? Je m'appelle Youssef, meu nome é Youssef. Meu nome é Youssef. Meu nome é Youssef. Meu nome é Youssef. D'accord? Alors, j'utilise un verbe ter, ça veut dire le verbe avoir. Ter, c'est le verbe avoir. C'est un verbe irrégulier. On va voir cela après. On dit j'ai 45 ans. Eu tenho 45 anos. Eu tenho 45 anos. Eu tenho 45 anos. Eu tenho 45 anos. Eu sou marocaino, c'est-à-dire je suis marocain. Eu sou marocaino. J'habite à Casablanca. Eu moro em Casablanca. Eu moro em Casablanca. Je m'appelle Youssef. Meu nome é Youssef. Meu nome é Youssef. J'ai 45 ans. J'utilise le verbe ter, c'est le verbe avoir, c'est le verbe irrégulier. Eu tenho 45 anos. 45 anos. Je suis marocain. Eu sou marocaino. J'habite à Casablanca. Eu moro em Casablanca. Alors, mes amis, vous savez comment vous vous présentez maintenant? D'une manière brésilienne. Je me présente. Je m'appelle Youssef. C'est-à-dire quoi? Meu nome é Youssef. C'est très bien. Et j'ai 45 ans, comme exemple. Et eu tenho 45 anos. Anos. On utilise le verbe ter. C'est le verbe avoir. Très bien. Et je suis marocain. Je viens du Maroc. C'est-à-dire Marocos. Marocos. Eu sou marocaino. Pour les femmes, eu sou marocaina. Très bien. J'habite à Casablanca. Comment dire cela en portugais? Eu moro em Casablanca. Casablanca. Eu moro em Casablanca. C'est-à-dire, j'habite à Casablanca. Meu nome é Youssef. Eu tenho 45 anos. Eu sou marroquino.
Il moro in Casablanca. Mio nome è Youssef. Io tengo 45 anni. Io sono marocchino. Io moro in Casablanca. E c'è bien. E c'è très bien. Félicitations à nous deux. À nous deux. On a bien parlé en portugais du Brésil cette fois. C'est très très bien. Je suis débutant et vous êtes aussi débutant. Et tous ensemble, on va parler avec les Brésiliens et les Brésiliennes d'une manière vraiment efficace. À très bientôt. Ciao.